Hello Imperfection, aujourd'hui je suis Maleficent. C'est parti! Dans cette vidéo, le maquillage beauty avait été réalisé pour un shooting photo. Je n'avais donc pas eu l'opportunité de filmer. Puis j'ai eu quand même envie d'utiliser cette base de make-up pour faire un autre make-up un peu plus fun. De ce fait, vous allez voir ma transformation progressive en Maleficent et surtout toutes les galères que j'y ai rencontrées. C'est parti! Alors le suspense est total car... j'avais créé ce magnifique casque il y a déjà 2 ans en papier mâché et en fait il se trouve que le papier mâché s'est rétracté donc je n'arrive plus à le passer dans ma tête. Ce que je vais faire c'est que je vais attacher mes cheveux vraiment à la base du crâne pour pas que ça gêne et je vais tenter de le mettre. Ce serait dommage de faire tout un make-up Maleficent et de pas pouvoir mettre son casque parce qu'avec le temps le scotch est légèrement rétracté. Donc je vais couper les petits bouts qui dépassent comme ça. Hop, hop. J'avais fait ça avec du papier journal, du papier mâché et du scotch noir. Allez, hop. Donc, il faut vraiment pas qu'il y ait de cheveux devant. Je vais vraiment attacher là à la pointe. Et si par hasard j'ai une petite pince, ce serait cool. Hop, je vais mettre celle-là. Hop. Voilà, là c'est plaqué. Alors, suspense, suspense. Si j'arrive à là. Oh. Ah, c'est douloureux. Est-ce que si je... ah, mes oreilles ne passent plus. Mes oreilles ne passent pas. Comment faire, comment faire, comment faire? Hop, si j'essaye... ah, je sais. Je vais mettre ceci par-dessus. Comme ça, logiquement, tout serait plaqué, ainsi que mes oreilles. Des cheveux blonds. Voilà, alors hop, on plaque tout. On plaque tout. Oh, mais pourquoi il y a du coton, je ne sais pas. On met les oreilles pour pas que ça fasse mal, tout simplement. Mon casque. Ah mais du coup on le voit, alors attends. Normalement ça c'est plaqué. Ah là c'est mieux. Surtout que j'y pense mais ça passera jamais dans le champ de vision de la caméra. Ça c'est sûr. Non, c'est pas grave. Déjà, on poudre tout ça parce que j'ai sué la mort qui tue. On va rajouter le collier que m'a offert ma petite sœur, qui est magnifique. Même si je doute que Maleficent porte ce genre de collier, je trouvais ça joli. Oups. J'arrive pas à m'y faire que j'ai comme ça, ma hauteur est vachement plus haute que d'habitude. J'avais aussi créé ce magnifique bâton avec une tringle à rideau. Sauf que, ça fait au moins 2 ans, et une des serres de l'aigle s'est cassée. Alors c'était en pâte à sel, alors évidemment c'était pas super super pratique et super solide. Mais bon, c'était trop sympa je trouve l'effet serre. Et voilà, ça s'est cassé. J'ai même pas pu l'utiliser quoi. Si je le mets comme ça, c'est trop ouf. Et si je le mets plus bas, c'est bizarre. J'ai enlevé ma montre parce que j'ai remarqué que je l'ai dans toutes mes vidéos. Et sur les photos, c'est assez ridicule. Genre, tu fais une sorcière qui a une montre Quechua. Bof quoi. Alors, on va faire quelque chose d'un peu plus artistique. Déjà, je libère mon pauvre crâne endolori. Oh, regarde ces marques. Oh là là, ça fait trop mal. Je pense que je vais le jeter après parce que de toute façon, au fil du temps, ça va se rétracter et je pourrais même pas le remettre. Donc. Ah. J'ai eu envie de faire une bouche noire pour pouvoir y ajouter des paillettes vertes.
Et par-dessus, je vais rajouter des paillettes vertes. Alors, mon vieil eyeliner tout pourri va me servir encore. Et j'ai envie de me faire un contouring vert. Il me semble d'ailleurs que dans le dessin animé, Maleficent se transforme en dragon. Donc ce serait logique qu'elle ait un peu de sang de dragon dans ses veines. Ensuite, je pose mes canines. Je trouve que ça me va particulièrement bien. Trop fière. Puis j'ai eu envie de pousser un peu plus mon contouring avec des écailles de dragon. Grâce à mon bonnet de perruque. J'avais envie de créer quelque chose un peu plus artistique avec un peu de vert, un peu voilà, quelque chose de plus coloré. Je perds ma dent. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye!